tu accélères pas, la main va passer à travers la masse d'eau. Une fois qu'elle a mouvement, la masse d'eau, il faut, faut accélérer ta main pour continuer à garder la même pression. Et là, tu accélères pas, tu sors, on dirait que tu sors la main de ta poche, là, c'est arrêté ça, tu portes ton bras. Accélère. Ouais. Alors, vous avez 600 mètres, tu vas dire. Vous avez 600 mètres, 50 pas avec le moins de bras possible, 52 tranquilles. Okay. Allez. Répéter, c'est pas recommencer, mais je crois que c'est vraiment ça. Ça rejoint tout ce qui est gamme et tout ça. C'est, une fois, je crois qu'on lui pose la question, mais comment Richardson, il marquait un but, il avait une spécialité, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il dit, mais il le tente 1000 fois à l'entraînement. Ouais. C'est jamais le même geste. Qui aujourd'hui vous sépare du plus haut niveau mondial et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en œuvre pour arriver là? Et là, c'est pas sans votre participation, hein, c'est impossible. Hein. Si vous n'êtes pas, des acteurs, mais alors privilégiés de ça, bon, je progresserai peut-être encore, mais je ne sais pas si ça vous sera beaucoup plus utile. Fondamental, c'est est-ce que l'expertise dans une pratique, sportive ou dans d'autres pratiques artisanales, etc., réside dans l'optimisation du geste ou au contraire, est-ce que c'est la capacité qu'a l'expert de s'adapter à son environnement? Si on part de ce point de vue d'optimisation du geste, on confond le quoi et le comment. C'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser un geste peut-être indépendamment de sa fonction. Peut-être qu'on sera extrêmement optimisé dans le geste, mais par rapport au but, par rapport au sens du geste, donc on verra par rapport à l'intentionnalité qu'on a à mettre dedans, ça n'a peut-être rien à voir avec l'action proposée. Il faut plutôt réfléchir comme le fait qu'un mouvement n'est jamais que la partie émergée de l'action, la partie visible, la partie mesurable de l'action, et peut-être qu'effectivement on va essayer de redéfinir, au moins de séparer le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, du comment, quels sont les moyens qu'on a à disposition pour arriver au but. Plutôt que d'optimiser son geste, peut-être qu'il faut optimiser autre chose qui l'a sorti. C'est des gens qui font du Aïdo. Et donc, je vais vous laisser puis après. Voilà. Donc, alors, c'est un sport dans la mesure où il existe des compétitions. Championnat de France, championnat d'Europe. Et les gens sont notés a priori sur l'efficacité de leur coup. Et donc là, le kendo, c'est aussi un sabre qu'on a dans la main. Mais vous voyez, c'est un sabre en bambou. Sinon, les compétitions seraient assez rapides. Et là, on voit qu'en fait, l'activité est un petit peu détournée. Dans la mesure où, c'est pas la coupe qui est intéressante, c'est la touche. Un peu comme dans l'esprit, la coupe. Et l'aïkido, au lieu d'utiliser certaines fois des sabres, on utilise la main, qui fait un espèce de geste de coupe. Soit on dit qu'ils sont automatisés, soit au contraire, puisque le mouvement est le même, ils sont tellement adaptables que la sortie motrice est la même, d'accord, parce qu'ils sont très très bien adaptés. Ouais. Dans l'expérimentation, la consigne qui est donnée, c'est de couper. Vous réalisez une coupe. Donc ce qu'on peut remarquer déjà au premier abord, c'est que les trajectoires des trois groupes sont assez différentes. Ils n'ont pas les mêmes types de trajectoires. En fait, par exemple ici, on le verra après dans les indices quantifiés, les gens qui font de l'aïkido ont une trajectoire extrêmement circulaire, extrêmement symétrique et extrêmement circulaire. Les gens qui font du kendo ici ont des trajectoires extrêmement elliptiques, très très allongées. Et les gens qui font du yai ici ont des composantes, en fait, on les voit ici, qui sont différentes entre l'aller et le retour. Pour quelqu'un qui fait de l'aïkido, ça c'est la vitesse de montée, il s'arrête, puis après il redescend, vitesse de descente. Autrement dit, pour la personne qui fait de l'aïkido, le but du jeu, dans ce cas-là, s'il a des profils de vitesse symétriques, montée, descente, on est bien dans le niveau d'explication de ce que je vous ai raconté dans l'introduction, dans l'optimisation du geste. A l'inverse, quelqu'un qui est complètement de l'autre côté, qui fait du yai, on voit que les profils de vitesse sont complètement dissymétriques. Quand vous faites du yai, vous montez doucement et vous descendez vite. Donc là, il n'y a pas d'optimisation du geste, puisqu'on dépense beaucoup d'énergie quand on fait ça.
Mais en fait, dans ce cadre-là, on fabrique, et c'est là qu'on va voir, on fabrique donc des vitesses tangentielles. Pour la personne qui fait de l'aïkido, ça serait de fabriquer des trajectoires circulaires. Et lui, il est réellement dans des profils de vitesse symétriques, tels que la peut définir des gens comme Tamar Flash, bien optimisés, bien des belles courbes en cloche de vitesse, qui permet de faire 1000, 2000 sous-bourris. Le gars, il est content, il fait ses 2000 sous-bourris dans la journée. Mais en fait, ce qu'il optimise, c'est son mouvement. Mais il, jamais, si on vous met un vrai sabre, jamais il pourra couper. Pour le groupe Yaido et Kendoka, on a les trajectoires elliptiques, mais les profils de vitesse sont différents. L'interprétation de ça, ce serait de dire que le but du jeu, la consigne telle qu'on l'a donnée, c'est normalement de réaliser le coup, elle est interprétée par les Kendoka comme ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire d'aller devant. Et quand on analyse le profil de vitesse, on s'aperçoit que la vitesse tangentielle, elle va devant, elle est vers l'avant, donc vous faites ça. Et pour quelqu'un qui fait du yaido, quand on descend comme ça, la vitesse, elle va vers soi. On coupe vers soi. Eh, pareil, même chose, tu vois là où elle est là. C'est ce que je te dis, le bassin, il monte pas là. Ton accélération, elle devrait te porter vers l'avant, et donc tu as les cuisses qui remontent près de la surface parce que tu as de la vitesse. Et là, tu te redresses. Tu vois, regarde. Tu freines vachement. Alors que ce que tu dois chercher à faire, c'est ce que je t'ai dit, l'impulsion qu'on fait à la verticale comme exo, là, pour essayer de toucher les drapeaux, il faut que tu le places à l'horizontale. Attention, ayo! Alors le but, ça c'est une expérience de collègues américains que je trouve très jolie. Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des manips avec des tout petits, 4 ou 5 mois, et ils regardent comment est-ce que le bébé, ben, il apprend à utiliser ce bouncer qui a des propriétés bien précises. Là, c'est le bébé au tout début. Donc on l'a mis là-dessus, il ne sait pas comment faire. Donc l'idée, c'est qu'ils l'ont amené au laboratoire plusieurs fois. Et voilà, donc à la fin, 6 semaines après, il a compris ce qu'il peut faire. Voilà, donc le bébé a parfaitement compris, il est très à l'aise et il est... Alors la question c'est qu'est-ce que l'enfant a appris. Ce que j'ai appelé la description comportementale, c'est la manière dont n'importe qui finalement décrirait cette situation, c'est en fait se balancer en rythme dans le baby bouncer en se poussant par les pieds. Donc en se... Maintenant ce qui est intéressant c'est ce qu'on appelle la description fonctionnelle, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'il faut produire. Et la description fonctionnelle en fait... Ce que le bébé doit trouver, c'est rentrer en résonance avec le bouncer, c'est-à-dire avec les... Donc c'est un ressort, donc ce qu'il doit, c'est découvrir les propriétés du bouncer et de lui-même, en fait, de ses jambes, et faire en sorte de, quand il se balance comme ça, c'est qu'il est rentré en résonance avec la fréquence propre du bouncer. Et après, ils ont été amenés à changer la masse du bouncer, donc le bébé, on le met dans une autre situation, et ce que le bébé apprend, c'est pas seulement à rentrer en résonance avec une donnée particulière de raideur, mais il doit apprendre à explorer à chaque fois les propriétés du système pour à chaque fois être capable de s'adapter en fait aux propriétés, c'est-à-dire à la raideur et à la masse du système total. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et donc l'idée qui ressort d'un exemple comme celui-ci, c'est finalement qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend pas un mouvement. Donc ce que le bébé doit apprendre, c'est à maîtriser en fait les propriétés physiques du système qui est formé du bouncer plus du bébé lui-même. De là à là, hyper efficace. Alors de là à là, t'attends, tu poses pour inspirer. On observe ça tout à l'heure. Là, tu fais là, toi, tu poses, tu inspires, tu replaces la tête, ce qui est très bien, et là, tu accélères. On part bien. Ben, moi je t'attends, plutôt que de me faire une pause là ici, là, tu vois, pousse. Et au moment où tu vas pousser fort là, inspire en fait. Déclate ta respiration. Tu comprends ce que je veux dire? Au moment où tu pousses fort, inspire. N'attends pas d'avoir la tête repassée. Au moment où tu pousses fort, tu donnes la plus grande vitesse possible, inspire. Ouais. Alors la question en
en fait qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où on a un projet d'action et le moment où on a un résultat. Qu'est-ce que c'est qu'une habilité alors? C'est la capacité à atteindre un but en s'appuyant sur les affordances d'environnement, c'est-à-dire sur ce qu'offre l'environnement comme moyen. Et donc ça nécessite absolument de distinguer deux choses. De distinguer l'aspect intentionnel, c'est qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, et l'aspect opérationnel, c'est comment on y arrive. Dans l'apprentissage, en fait, il faut penser non seulement au mouvement, proprement dit, mais à ce qu'il appelle l'essence de la tâche. Il faut se concentrer sur le quoi et le comment viendra par lui-même. Sachant que ce qu'il appelle le quoi, enfin le what, ça fait référence à l'aspect fonctionnel de la tâche, et le comment concerne en fait la manière dont le but va être atteint. Alors on a travaillé sur la taille de la pierre en Inde avec des techniques particulières. Ce sur quoi je vais discuter essentiellement, c'est comment est-ce qu'on enlève un éclat. Il faut des années pour arriver à produire ça. Un éclat qui soit exactement celui qu'on a projeté de faire. Moi, on m'a demandé d'essayer de comprendre pourquoi il fallait 10 ans pour apprendre ce type de technique. Là, vous voyez par exemple de ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever un éclat là. Et ça demande, je peux vous dire, des années. Pour détacher un éclat, il faut une certaine quantité de vitesse, c'est-à-dire une certaine vitesse du marteau au moment de la percussion. Et donc une certaine quantité d'énergie cinétique qui va dépendre de la vitesse et de la masse du marteau. Ensuite, il faut que la direction du marteau soit la bonne, évidemment. Et dans ce cas précis de percussion indirecte par contre-coup, il faut que la position de la pierre par rapport à la barre de fer qui est utilisée ici soit correcte. L'apprentissage, ça serait quoi? Ça serait en fait l'apprenant, ce qu'il doit apprendre, c'est qu'il doit apprendre à découvrir et à exploiter eh bien, les contraintes du dispositif. Ce qui est important, c'est que on est expert quand on est capable d'utiliser une technique pour produire des éclats qui peuvent avoir des tailles, des longueurs, des largeurs extrêmement différentes. C'est-à-dire de produire exactement ce qu'on souhaite. Donc en fait, si on change le poids, un expert, il doit être capable de produire la même chose, et donc de produire la même énergie cinétique. Et donc ce serait ça d'être expert, c'est d'être capable de produire la même énergie cinétique, quel que soit donc le type d'outil, quel que soit l'outil, donc sa masse en particulier. Simplement, qu'est-ce qu'il faut contrôler simplement pour enlever un éclat, donc celui que je vous ai montré là. Ce qu'il faut contrôler, c'est donc la direction du percuteur, évidemment. Donc l'angle ici, l'angle de percussion. Il faut contrôler la distance avec l'extérieur en fait de la pierre, et il faut contrôler bien évidemment l'énergie cinétique. Alors, les novices, ils ont eu une heure d'entraînement avant, c'est tout. Si on prend un expert ici avec la même chose, un percuteur par exemple léger ou un percuteur lourd, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils ne produisent pas la même chose. Les experts produisent infiniment moins d'énergie cinétique. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils produisent bien ce qu'on leur demande. Les novices, ils ont produit une énergie cinétique plus grande. Donc, ils n'ont pas produit la même énergie cinétique avec des percuteurs de poids différents. Alors que les experts ont été capables de produire la même énergie cinétique avec des percuteurs différents et de produire ce qu'on leur demande. Et ce qui est intéressant, c'est que les novices produisent une énergie cinétique qui est au moins 5 fois plus grande que ce dont ils ont besoin. Et une autre expérience qu'on a faite avec le même genre d'idée, c'était qu'on leur a demandé de tracer sur la pierre le contour de l'éclat qu'ils voulaient enlever. Donc ça c'est un expert parisien très expert, c'est un des meilleurs tailleurs modernes, je dirais, au monde, il est très connu. Et donc la manip, c'était, on lui demandait donc de tracer ici l'éclat qu'il allait enlever. Et on a fait la même chose avec des non-experts, des novices, enfin avec tous ceux du groupe. Alors, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est, dans cette manip-là, c'est quelle est la différence entre ce qui a été prédit et ce qui a été produit. Et bien, ce qu'on voit, c'est que les experts sont bien meilleurs dans leur prédiction comparée aux intermédiaires et aux débutants. Donc, il y a une corrélation entre ce qui est prédit et ce qui est produit uniquement chez les experts. Les intermédiaires, ils ont quand même plusieurs années de pratique, en fait. Donc, les propositions, en fait, qu'on peut faire à partir de là, si on accepte ce cadre d'analyse, évidemment, le comportement qu'on va observer, en fait, c'est une solution qui est spécifique pour résoudre le but assigné selon les conditions du contexte du moment. Et ce qu'on va considérer, c'est que l'apprentissage, en fait, cours d'apprentissage, en fait, les comportements observables, eh bien, ce sont des solutions spécifiques, donc qui vont être forcément temporaires,
et qui répondent au but assigné, c'est-à-dire aux caractéristiques fonctionnelles de la tâche, en fonction de l'état du système. Hein, le système, donc, c'est l'état de l'organisme, et selon les conditions du contexte du moment. D'être expert, c'est être capable, en fait, de se projeter dans le fond dans ce qu'on va réaliser, et tout en utilisant au mieux, en fait, les propriétés du système. Mehdi, tu ne peux pas nager 37 secondes ou 50 crawls avec 33 bras, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas ça que je te demande. Tu sais ce que tu as à faire. Sur cette vitesse-là, tu dois faire que 26 ou 27 bras. Mais il faut que tu corriges. C'est à toi de nager. Oui. Allez, hop. Cette fois-ci, imprimer la plus grande force possible dans la poussée. Donc on va travailler une forte impulsion là quand on va orienter la pelle vers l'arrière là. On va pousser très vite, fort, avec de la vitesse là, tout en ayant soin de toujours être obnubilé par je me projette le plus loin possible vers l'avant. Reconstruisez bien votre bateau, ça aussi c'est important là. Donc on se projette et on va essayer de réaligner toutes les parties du corps. We'll be right back.